Eh bien, nous voilà au petit matin, le 20 octobre, il fait beau et on décharge un camion de Bilam. Alors là, ils sont arrivés à plat en fait, parce qu'avec cela, il n'y a pas de retourneur, on doit les retourner comme ça par terre. Alors on passe deux grosses barres de métal en travers et puis on attache comme ça. Et pour le moment on les stocke là-bas derrière le bâtiment, là où j'y vois pas. Donc le collègue il me guide avec la radio. Bon, tu décroches. Merci. On a accroché les tubes. Bon, c'est bon. Attention à vous. Vas-y, monte. Ah, on a un petit menu. Monte, monte, monte. Monte encore. Monte, avance un peu le chariot. Avance un peu le chariot. Avance encore. Avance encore un peu. Là, vas-y, monte. On a accroché les tubes. Ouais, ok. Attention, charpentier. Donc voilà, c'est ces tubes là qu'on fait passer à travers le bilan pour pouvoir le soulever à plat. Avec mon pote Henri, le déchargement tient. Alors pour toi, Rito. Il y en a quelques-uns à décharger. D'accord. Donc c'est les bilames pour la rampe qui est de l'autre côté du bâtiment. C'est-à-dire à peu près là où j'y vois pas quoi. On les posera cela. Bon. Ils ont l'air de peser et ils cassent barre là, ouais. Hein, le grand chef qui prend les mesures.
Mais qu'est-ce qui se passe, les jeunes? Les barres elles sont trop courtes. En travers dans l'autre sens, ça me plaît moins. C'est bien à ça qu'il pensait, ouais. Là, ça me plaît pas trop. Aller le poser là avec les barres comme ça à l'angle du mur là-bas. Qu'est-ce que ça dit? Ça me plaît pas trop cette histoire. Hein. À la limite, j'aurais préféré qu'on y fasse passer des sangles à travers. Ouais, ça me plaît pas trop là, c'est pas terrible. Hein. Génial leur truc là. J'aurais préféré des sangles largement. Oh. Il fait 3 tonnes de sang, le prémur. Je vais devoir avancer à fond pour laisser passer les barres. Enculé. Ça tourne, ouais. Enculé. Là, je suis limite en bout de flèche avec 3 tonnes de sang. La grue à bip. Vas-y, commence à rentrer le chariot. Rentre le chariot. Vas-y, rentre.
On la pose au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre. Vas-y. Entre chariot. Entre chariot. Encore. Et encore. 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 Vas-y, encore. Encore, encore, encore. 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 Vas-y, entre encore le chariot. Encore. Encore, encore. Encore un peu, là, ça me fait. Oriente un peu. Oriente un peu à gauche. Là. Hein? Vas-y, sors un peu le chien. Là, je l'entends plus d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit sors le chariot. Et je vois pas ce qui se passe là-bas derrière. Avance le chariot, je viens. Avance encore. Là, oriente un peu. Avance un peu à gauche. Regarde un peu, encore. Là, stop, roule. Vas-y, roule. Là, ça passe. Vas-y, roule, roule. Roule, roule, roule. C'est bon. Vas-y, roule tout. Roule tout, roule tout. À 37 mètres, 3 tonnes de sang. Là, ils décrochent, ils sortent les barres, ils me les raccrochent. Julien, roule un peu. Roule, 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 roule. Là, et voilà.
Là, ça va être la même. Comme le prémur est plus long que les barres, attention chaîne. À deux, c'est plus dur, hein? Il galère, Henri. Il est tout petit, il galère à porter les barres. Heureusement qu'il a le jeune avec lui, là, c'est un gaillard. Ah, bébé, à la rescousse. Qu'est-ce qu'il vient faire, bébé, sans casque? Il doit monter se chercher des ferrailles pour son plancher. Est-ce qu'ils sont de mon côté? Est-ce que je vais devoir aller lui mettre un coup de grue? Ou est-ce que c'est direct du côté du collègue et ils vont pouvoir se démerder sans moi? Ça fait un sacré camion. Ah, je vais y enlever 6 tonnes et demi déjà de chargement. Et les deux prémures de 3 tonnes de sang, j'ai sorti. Celui-là, il a l'air un peu plus fin que les autres. C'est parti. C'est sur les charpentiers. Voilà, vas-y, rentre le chariot,
Votre chariot. Votre chariot. Votre chariot encore. Votre chariot. Vas-y. Ah, oriente à gauche, gentiment. Oriente à gauche. Oriente encore un peu, encore. Oriente encore un peu. Là. Vas-y, roule. Roule, vas-y. Il guide très bien le collègue Henri au millimètre à l'angle du mur là-bas. Il me guide très bien, j'ai pas tapé un mur, j'ai rien tapé depuis le début. Bon, après j'y vais mollo quand même avec 3 tonnes en bout de flèche. Je tape l'angle du mur là avec les barres ou quoi. J'ai 3 tonnes, pareil je pète l'angle du mur, l'arête. Ils se sont spéciales. Quoi? Roule un peu, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ils se sont fait chier à tout faire bien lisse, bien propre. Si je commence à aller leur taper et leur faire des trous un peu partout, ça va gueuler. Donc c'est à ces moments-là qu'il faut y aller en micro-vitesse, quoi. C'est là qu'il vaut mieux y aller mollo. Vas-y, Juju, monte. Vas-y, monte. Avance le chariot un peu. Vas-y, avance. Voilà les barres récupérées. Puis je leur remets au cul du camion. Tu fais quoi? T'en coupes une? Ah, il coupe rien du tout en fait. Oh, je crois qu'il vaut mieux les laisser entières. Hein. Elles sont jolies ces barres. Je crois que l'ancien chef qui est parti, qui nous a quittés pour partir ailleurs, je crois que c'est lui qui avait acheté ça en prévision justement de ce déchargement de ce matin. Des jolies barres, je crois qu'elles sont pleines à l'intérieur. Hein. Je crois que c'est du fer plein quoi dedans.
c'est pour ça qu'elle plombe un peu, quoi. Mais bon, c'est comme de les couper, quoi. Ces barres doivent faire 5 mètres. C'est juste le talus qui leur casse les couilles là, quoi. Plus ils doivent, plus on décharge, plus ils doivent l'enquiller bas la barre. Et là, ils sont à la hauteur du talus, à la hauteur de l'épaule d'Henri à peu près. Et ils n'arrivent plus à la passer. Ils vont être obligés de la découper ou. Ah, si, ça y est. C'est le dernier, bon, ça va. Bien jeune. C'est sympa, un petit déchargement du matin là. Ça fait 3 jours que j'ai pas trop de boulot. À part un peu de béton l'après-midi pour couler les blocs à balcher, les parpaings qui sont en train de monter les maçons, à part ça, j'ai pas plus beaucoup de travail, quoi. Donc là, ça arrive vraiment à la fin. Bon, heureusement qu'il y a la rampe de l'autre côté du bâtiment, là, ça va me faire un peu de boulot par rapport à l'autre côté, quoi. C'est pour ça qu'on a avancé mon côté en premier. J'ai 3,5 tonnes pour celui-là, il est plus gros que les autres. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il a l'air... Il a l'air aussi grand. Au charpentier, si tu peux te sortir de l'angle là. Il va attendre qu'il se pousse un peu. Voilà. Hop, là c'est bon. Je suis limite en poids là. Quand la grille commence à klaxonner comme ça. Et voilà, je descendais en seconde, j'ai bloqué d'un coup sans rétrograder. Du coup ça m'a mis un. Regarde, t'es comment toi? Elle est un peu plus large, ça. Oriente un peu encore. Ah, oriente encore à peine un peu. Il est plus large, ouais. Là, stop. Vas-y, moule comme ça. Moule un peu comme ça. Moule un peu. Moule un peu. Là.
Ouais, il est plus lourd que les autres, celui-là. Les autres, j'étais limite en poids, mais celui-là, je suis arrivé un peu vite. Hein. La grue, elle m'a dit bip. Attention, mollo. Là, elle est en tension, la grue. Avec des charges comme ça. Du jus. Eh ben, vous me les raccrochez ces barres. Vous bravez là. Qu'est-ce que vous branlez ? Ils me répondent même plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont été boire un café ou quoi ? Ils l'ont coupé à la fin. J'ai sorti 10 tonnes quasiment de chargement de ce camion. Il lui reste 1, 2, 3, 3 prémures, je crois, avec un petit par-dessus, là. Et il décide de couper les barres maintenant que c'est fini. Moi, je l'aurais pas coupé, je l'aurais laissé en terre, franchement. Bon, enculé, mais ils l'ont coupé court. Voilà. Vous avez coupé un peu court les gars, non ? Tu vas voir qu'ils n'ont pas mesuré que les barres elles sont trop courtes. Hein. Et là on n'est pas dans la merde. Hein. Ah non, quand même. Si si, ils ont mesuré. Ouais, mais là putain, j'ai plus trop de prise quoi. Hein. Là, ça va être vraiment sur le bout, quoi. Nous voyons de combien ça dépasse.
Oh, ça va. Ça va, ça va. Bon, celui-là, on va aller les mettre ailleurs. Je pense qu'on va pas les empiler comme ça. Il vaut mieux éviter de les empiler comme ça, parce que là, j'ai empilé 10 tonnes déjà. Bon, c'est empilé comme ça sur le camion, donc ça va pas bouger, mais... Si on continue à y mettre du poids dessus, pareil, pareil ça pète. Hein. Voyons qu'est-ce que ça dit. Le reste, ouais, le petit là, et après je crois qu'il y en a deux grands encore. Je te lève. Moi je vais le contourner. Tant pis, je fais une manœuvre de plus. Et je ne lui passe pas sur la gueule. Bon, il fait 2 tonnes celui-là, ça va. Il est plus court que les autres. Hein. Ça va être l'heure, ça va être l'heure de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est 9h du matin. Le petit matin, tout va bien. Pas trop mal. Allez. On revient un peu à gauche, s'il te plaît. On revient un peu à gauche. On sort un peu. On sort à peine du chariot. Avance le chariot, ça passe. Vas-y, roule doucement.
Voilà, vas-y, moule-toi. Moule-toi, camarade. Voilà, vous pouvez me décrocher. Bon allez, qu'est-ce que vous vous ramenez là? Vas-y, monte, monte. Vas-y, viens voir, tu peux monter. Annulé, tu peux. Ah ouais, je suis à moitié dans l'arbre. J'ai posé à moitié. Putain, il y a l'arbre qui m'a chopé une câble. Et ça, quand tu le vois pas, je te raconte pas la secousse que tu prends. Alors faut que je me décale de ce putain de, d'arbre. Ça y est, il m'a lâché. Il est tout petit celui-là aussi. On n'a pas vu qu'il y en avait deux des petits comme ça. Je croyais qu'il y en avait qu'un. Il reste deux, un petit et je crois deux gros. C'est un gros. Des moyennes quoi, un peu plus grand. Allez, c'est parti. Thank you.
zigzag entre les charpentiers. Là j'ai touché quelque chose. Regarde, à peine un coup à gauche, à peine. Là, c'est bon. Là, moule. La boulette, hein. Vas-y, puis je peux rouler. Je croyais qu'ils avaient prévu la pluie pour aujourd'hui. Et en fait, il fait bon, hein.
encore un peu, roule encore un peu, roule encore un peu, roule encore un peu, la tête, hop, ça va. Mon curieux s'arrête. Un peu de chariot, encore un peu de chariot, encore un peu de chariot, stop, stop. Allez, plus long que ça là. Voilà, mettre là. On revient à la gauche. Là, roule comme ça. Vas-y, roule encore. Là, j'entends plus, j'arrête. Hein. Allez, le dernier. Alors, on aura fait tirer un peu la grue ce matin. J'ai pas compris. Bon, mais je vais me faire un café, hein. 10h moins le quart. Attention.
il est prêt. Il est prêt avant mon café. Alors je vais aller lever, que le camion il puisse dégager. Sors de là, jeune. Ça a claqué. Pris une petite secousse, oui. Alors voyons les charpentiers. Voilà.